Veliki pozdrav, dragi zvezdaši, i dobrodošli u novo izdanje našeg Indirekta. Navikli ste da u ovoj emisiji imate priliku da upoznate fudbalere Crvene zvezde iz nešto drugačijeg ugla, a danas vam donosimo nešto posebno. Seko Sanogo potpuno iskreno govorio je o svom životu, o tome koliko je stvari potrebno žrtvovati da bi se našao ovdje gdje on danas jeste, o tome kada mu je bilo najteže, najlepše, o svemu onom što mu nedostaje od kuće. Ostanite sa nama, znam da ćete uživati jer će mi se za koji trenutak pridružiti upravo sa nogom. Prije svega sa nogom želim ti dobrodošlicu u našu studiju i u našu emisiju. Hvala ti što si izdvojio vreme, a možda evo da mi kažeš za sam početak, s obzirom na to da sam već imala priliku da vidim da te navijači obožavaju, kako to izgleda biti jedna zvezda u timu Crvene zvezde? Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un très grand plaisir pour moi d'être apprécié dans ce club parce que c'est un très très grand club. Et tout joueur rêve d'être apprécié dans un grand club. C'est un plaisir pour moi de jouer dans ce club. S obzirom na to da ovdje ne pričamo toliko o fudbalu, možeš li da mi kažeš kako sada izgleda tvoj život u Beogradu? J'ai une très très belle vie à Belgrade. Je suis très très heureux à Belgrade parce que c'est une très très belle ville et ma famille est vraiment épanouie ici. Donc j'ai la chance de découvrir cette belle ville et puis on m'a bien accueilli aussi. Ce qui joue vraiment un grand rôle et puis voilà. Gde volite da provodite vreme i kakve su to aktivnosti van treninga, bar kada je reč o tebi i tvojoj porodici? Moi, je pense je suis quelqu'un de casanier, j'aime rester à la maison avec la famille et de temps en temps sortir aller découvrir certains restaurants et surtout faire les petites balades au centre commercial ou parfois dans la petite forêt en haut de l'autre côté. Voilà. Šta je ono što te je osvojilo u Beogradu i šta je ono što ti se najviše dopada? Ce qui me plaît encore plus à Belgrade, c'est la chaleur humaine, c'est-à-dire c'est les gens qui ont vraiment la joie de vivre, qui sont vraiment chaleureux. Et moi, c'est la chose la plus importante, parce que avoir la joie de vivre, c'est le plus important. Da li si nekada mogao da zamisliš sebe u Srbiji kada si počinjao sa svojom karijerom i da li ti je ikada možda eto i palo na pamet da ćeš upravo ovdje igrati fudbal? Non, à aucun moment j'ai imaginé me retrouver à Belgrade. Et dans le tout début, quand on m'avait proposé de venir à Belgrade, je me disais ah, ça va être un peu spécial par rapport à ce que j'ai entendu dire sur la Serbie. Et à ma grande surprise, c'était vraiment le contraire. C'est-à-dire c'est un très beau pays et puis c'est une très belle ville. Znamo da naši stranci, iako vas naravno ni zvezdaši ni mi ne doživljavamo kao strance, uživaju zaista u Beogradu. Šta je ono prvo što si čuo o Beogradu od svojih saigrača i da li su bili u pravu? Mes coéquipiers, déjà quand je suis arrivé, ils sont tous fiers de jouer pour ce club-là. Ils m'ont tous dit, ah franchement, c'est un club avec les meilleurs supporters et tout. Et si tout se passe bien pour toi, si tu fais de bons matchs, tu seras apprécié par les supporters. Et si tu es apprécié par les supporters, tu seras heureux dans la ville. Donc j'ai essayé de donner le maximum sur le terrain pour être apprécié des gens du club et par les supporters, le plus important. U tom slučaju znamo da ti je život u Beogradu sjajan. Hajde malo da popričamo o onim stvarima koje radiš također u slobodno vreme. Kakva je srpska kuhinja, šta voliš da jedeš, kako se snalaziš u kuhinji? Možemo malo da te bolje upoznamo iz tog ugla. Avant j'ai cuisiné souvent, j'ai faisais à manger souvent, mais depuis que je suis arrivé à Belgrade, je fais rarement à manger, pour pas dire jamais, j'ai jamais fait à manger depuis que je suis à Belgrade parce que je me régale chaque fois au restaurant ici. Il y a des très très bons restaurants et ils ont des spécialités que j'aime bien. Et surtout hier, j'ai fait une découverte cuisinière qu'on a la même en Côte d'Ivoire, chez nous, des beignets. Et je me suis vraiment régalé hier soir. Et c'est un plaisir pour moi. S obzirom na to da znamo da si deo svog života proveo u Švajcarskoj, sada ćemo malo da popričamo o tome da li više voliš švajcarske ili srpske slatkiše. Znam da svi uživamo u njima, te zato predlažem, ukoliko se slažeš, da zajedno probamo jednu srpsku i jednu švajcarsku čokoladu pa da ocenimo koja je lepša. Ok, avec plaisir. Da li ćemo prvo probamo srpsku? D'accord. I moraš da nam preneseš da li ti se dopada i kakvog je ukusa. Il est bien, il est excellent. Smemo li da otkrijemo koji je tvoj favorit? Le deuxième. Parce que le premier, il est un peu trop sucré, avec un peu plus de lait dedans. Je sens un peu plus.
et le deuxième, il est moins sucré. Можеш ли мало да нам приближиш како е воопшто изгледало твоје детинство и како си дошол до тога да се преселиш во Европа и да потпуно промениш твој живот? J'ai eu une enfance assez joyeuse, entourée de ma famille. Et j'ai tardé vraiment à venir en Europe parce qu'au début, pour moi, ce n'était pas vraiment une nécessité de venir en Europe parce que j'avais toute ma famille avec moi. J'ai débuté le foot professionnel à 17-18 ans et j'étais bien là-bas. Et il y a la guerre qui a fait que j'ai eu envie d'ailleurs. Et la grande chance que j'ai eue, j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont fait partir en Suisse. Et puis voilà, ma carrière s'est envolée et puis j'ai pris vraiment, vraiment beaucoup de plaisir en Europe à jouer. A kada sada razmišljaš o svom detinjstvu, koliko si bio srećan i kako je sve tada izgledalo? Možeš li malo da nam približiš šta je ono što je tebe lično zabavljalo u tim danima? C'était l'insouciance, sans calculer, jouer au foot parce qu'on aimait le foot, jouer avec des copains et puis avoir des rêves incroyables parce que réellement aussi je m'étais dit que j'allais venir en Europe, j'étais confiant parce qu'en Afrique c'est pas vraiment évident de quitter en Afrique pour partir en Europe parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de joueurs et il y a vraiment des joueurs talentueux et il fallait sortir du lot pour pouvoir avoir de la chance en Europe et j'ai eu cette chance-là et ce qui me rendait un peu plus heureux encore c'était de jouer avec des copains, c'était le plus important pour moi et j'ai eu la chance de jouer dans un très, très grand club de mon pays qui m'a permis aussi de ne pas avoir envie de venir rapidement en Europe et puis à la fin, j'ai poursuivi ma carrière en Europe ici et puis voilà. Da li je od malena za tebe fudbal predstavljao sve ili je bilo još nekih igrica i šta si želeo da budeš kada porasteš? Depuis tout jeune, j'ai rêvé football depuis j'ai commencé très très jeune et déjà à l'âge de 12 ans, mon obsession c'était de devenir professionnel. Le reste ça n'avait pas d'importance pour moi, je voulais juste devenir professionnel et je me donnais énormément de moyens pour pouvoir y arriver parce que c'est pas évident comme j'ai dit au début. Il y a tellement de joueurs talentueux en Afrique. Pour venir en Europe, il faut sortir du lot. Et mon objectif premier, c'était de jouer en Premier League dans mon pays. Et j'ai bossé. Et puis j'ai fait beaucoup de sacrifices pour me retrouver là. Et aujourd'hui, je suis très, très heureux d'avoir fait ces sacrifices-là. Parce que ma famille est très fière de moi. C'est la chose la plus importante. Quand ta maman, chaque fois que tu vas en vacances, elle te dit « Mon fils, je suis vraiment fier de toi. » Il n'y a rien de plus beau que ça, en fait. Donc, c'est ce qui me donne encore plus envie de me battre pour réussir au foot encore. Koliko je odlučnosti i strajnosti potrebno jednom dečaku, slobodno možemo tako da kažemo, da postane to što si ti danas i da se izbori? Koliko je taj put težak? C'est vraiment très compliqué. Ça commence par, comme j'ai dit au début, beaucoup de sacrifices parce que si tu as envie de devenir joueur professionnel, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui va à l'école, tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui va au bureau. Parce qu'en général, toi, le week-end, c'est le week-end où tu dois jouer, que tu sois jeune ou professionnel. Donc du coup, le week-end, il n'y aura pas de sortie pour toi forcément. Il y a certaines choses que tu dois renoncer à ça pour devenir professionnel. Et après, quand tu es professionnel, pour pouvoir rester le plus haut niveau, il faut aussi renoncer à certaines choses. C'est toute une histoire comme ça qui, il faut se battre pour pouvoir rester au top. Et ça commence dès l'enfance. Donc c'est un métier très, très difficile. I ja imam tam žvaju. Koliko je onda potrebno bilo u tim trenucima kada se druga deca igraju i odmaraju da ti treniraš snage da, slobodno kažemo, to izdržiš i da li si nekada možda na tom putu pomišljao da odustaneš, ko je bio neko ko te vraćao od takvih misli? U debu se te un peu rađan, kom ti je vien de poser la question. U debu, kad ti je pti, ta žist envi t'amuser. I kad ti vois les autres en train de sortir, c'est rageant de ne pas pouvoir sortir avec eux. Et que ta famille, au début, mes parents, ils ne voulaient pas que je joue au foot, ils voulaient que je parte à l'école parce que ce n'était pas considéré comme un travail pour ma mère. Donc je lui disais, c'est dans ça que j'ai réussi. Et j'ai eu de bonnes personnes autour de moi parce que c'est ça la chose la plus importante, être entouré de bonnes personnes. Donc c'est eux qui m'ont permis à faire cette carrière-là aujourd'hui. Znamo da je uvek škola mala prepreka za sve dečake koji vole da pre toga odu na trening. Možeš li da nam otkriješ ko je tvoj omiljeni predmet bio u školi, kako su izgledali tvoji školski dani i da li su bili oni predmeti koji si malo nekada izbjegavao? J'ai jamais été un très très bon élève, comme faut pas se mentir. Je suis pas un bon exemple pour les jeunes peut-être qui vont me regarder parce que j'ai pas été vraiment un très très bon élève.
et j'ai essayé d'esquiver la plupart du temps, mais j'aimais bien l'histoire géo et puis la culture générale, donc ouais, ça correspond à la même chose et puis c'était mes trucs préférés. Da li je nekada bilo možda i svađe u kući oko tvojih obaveza u školi i kako su uopšte tvoji roditelji reagovali na to i da li si uvijek imao podršku upravo da postaneš fudbaler? Forcément, j'ai eu vraiment vraiment beaucoup de conflits à la maison parce que mes parents, comme je dis, ils voulaient vraiment pas que je joue au foot. Pour le week-end, ok, ou le mercredi après l'école, ça ne dérangeait pas. Mais tous les jours, c'était un problème. Et ça a créé pas mal de soucis. À la fin, ils ont vu que c'était vraiment mon rêve de gamin et c'est ce que je voulais faire plus tard aussi. Donc ils m'ont dit, si c'est ce que je veux faire, il faut que je me donne les moyens. Donc c'est ce qui a fait que j'ai fait autant de sacrifices pour pouvoir y arriver. Donc avec les notes, c'était vraiment très très compliqué à la maison. Très très compliqué. Da li si na tom putu do profesionalnog fudbalera nekada posumnjao u sebe? À aucun moment j'ai douté. À aucun moment. Ça m'est jamais arrivé de douter. Non. Kako je došlo do toga da se preseliš, da napustiš svoju porodicu i da kreneš tim putem profesionalnog fudbalera? Ça a été, c'était toujours la même histoire parce que les parents ils ont dit soit tu joues au foot et soit tu vas à l'école ou on s'occupe plus de toi. Donc c'était la petite menace à l'époque et j'avais dit non, bah je vais jouer au foot. Donc mon père il m'avait dit tu veux nourrir ta famille avec quoi? J'ai dit avec l'agent du foot et il m'avait dit bah on attend de voir ça. Donc il partait jamais me voir jouer au football. C'est la première fois qu'il m'a vu, j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de stress. C'est la première fois que j'ai stressé à jouer au foot. Et à la fin ils ont compris que c'était vraiment mon rêve et ils m'ont soutenu. Et comme j'ai dit au début, ils m'ont toujours dit quand tu veux quelque chose, il faut te donner les moyens. Donc il faut travailler très très dur. Donc c'est l'exemple que j'ai suivi et puis ça a marché pour moi. Koliko je bilo neizvjesnosti, ne moramo reći straha, ali vjerovatno jeste neki ne tako lak osjećaj kad ostavljaš svoju porodicu i prelaziš da živiš negdje daleko od njih. J'ai pas eu de doute, mais il y a eu la peur parce que j'ai découvert une nouvelle culture. Dans mes débuts, je suis arrivé en Suisse, c'était l'hiver. J'avais juste envie de retourner chez moi parce que je n'étais pas sorti des vestiaires pour l'entraînement. Mon premier entraînement, j'ai préféré rester dans les vestiaires. Et le coach il est venu me voir, il m'a dit il faut sortir pour s'entraîner. J'ai dit non, je ne sors pas, c'est trop froid. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à avoir peur de la suite parce qu'ils m'ont dit qu'il allait faire encore plus froid. Et avec la nourriture, ce n'était pas évident au début parce que je ne savais pas faire manger avec les condiments qu'on me donnait ici, si tu veux. Donc voilà. Šta je bio najveći izazov prilikom tvoje promjene? Šta je ono što ti je možda najteže palo kada si se preselio? La chose la plus difficile que j'ai vécue, je suis arrivé dans mes débuts, après je suis retourné en Côte d'Ivoire parce que mon club en Côte d'Ivoire et le club en Suisse, ils n'étaient pas d'accord par rapport au montant du transfert. Et après je suis revenu en janvier et là on est parti en stage. Et quand je suis retourné du stage, je suis arrivé en Suisse, il y avait la neige partout et je n'avais pas le permis. Et j'avais un vélo en ce moment. Et je ne pouvais pas rouler le vélo, malheureusement. Et je ne reconnaissais pas chez moi. Et chez moi était juste à côté du stade, donc j'ai marché plus de 30-40 minutes. Je ne retrouvais pas chez moi. Chez moi était à 2 minutes. J'ai fait le tour de chez moi une dizaine de fois. Et après, je suis rentré dans une maison de retraite. J'ai demandé à ce qu'ils m'appellent un taxi. Et ils m'ont appelé le taxi. Le taxi m'a dit qu'il ne pouvait pas me prendre parce que j'habitais juste là. Mais avec le froid, je ne voyais rien. Donc ça m'avait traumatisé à l'époque. Ça fait comme ça aux gens, malheureusement. Sigurno je bilo vrlo izazovno, evo sada možeš na sve to da gledaš sa osmehom. Ko ti je u tim trenucima bio najveća pomoć i naravno najveća motivacija da uspeš? J'avais mon agent qui était excellent là-bas. Ce n'est même plus mon agent, c'est quelqu'un de la famille maintenant parce que c'est lui qui m'a ramené en Suisse. Et jusqu'à présent, on est ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et j'ai connu un joueur à l'époque qui parlait un peu français, qui parle presque français, puis allemand, il parle presque toutes les langues. Et pour moi, c'était vraiment important parce que dans l'équipe où j'étais, les gens ne parlaient pas en français, ils parlaient en allemand. Et pour quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas connu d'autre chose que le français. Et c'était très, très difficile pour moi. C'est lui qui me commandait à manger parce que je n'arrivais pas à faire manger. Et la seule chose que je voulais manger à l'époque, c'était les pommes frites avec les pizzas.
Et voilà, il était excellent pour moi. Voilà, c'était quelqu'un de très très important pour moi. Da li si imao svoje idole u svijetu fudbala kada si bio dečak i da li su polako snovi počeli da ti se ostvaruju upravo odlaskom u Švajcarsku? Oui, forcément, j'avais mon idole, c'était Zidane. Quand je le voyais toucher au ballon comme ça, ça me faisait juste rêver, j'avais juste envie de jouer comme lui. Et il y avait aussi Edgar Davis, c'est les deux joueurs que j'ai connus. Edgar Davis, c'était plutôt à la fin. Et c'est les joueurs qui m'ont vraiment donné envie de devenir footballeur professionnel. Et quand je suis arrivé en Suisse, je sais que le chemin il était encore long. Donc j'ai essayé de travailler au maximum pour pouvoir faire une bonne petite carrière. Mais j'avoue que le football, c'est pas facile, c'est un métier très très difficile. Il y a ce qu'on rêve de faire et puis il y a ce qui se réalise. Mais il faut continuer toujours à croire en ses rêves. Kada si se navikao na taj drugačiji način života i koje su sve to neke sitnice koje si tek kasnije savladao, kao što je to naručivanje hrane, koliko su ti one olakšale život? Au début, le club, ils avaient pris quelqu'un pour moi qui m'aidait à faire les courses. Bien sûr, quand le préparateur physique il a vu à l'époque que je mangeais que les pommes frites, il a dit que ce n'est pas très sain. Et donc, ils ont trouvé quelqu'un qui m'accompagnait à faire mes courses pour faire manger. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire manger gentiment. Puis déjà, j'avais les bases déjà parce que j'étais toujours à côté de ma mère. Donc du coup, j'ai continué à faire manger et puis là, j'ai commencé à prendre les choses en main. Et puis j'ai commencé à avoir une vie sociale parce que c'est important. Il ne faut pas juste rester chez soi parce que comme ça, tu n'apprends rien dans la vie. Et puis voilà, comme je suis quelqu'un de nature curieuse, donc je m'approche des gens. Et puis c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à être épanoui en Europe. Pamtiš li šta su ti roditelji rekli kada si se preselio i da si ispunio njihovo očekivanje? Je n'ai pas totalement tout respecté parce qu'au début, ma mère elle avait peur. Je ne lui ai pas dit que je venais en Europe parce qu'elle allait stresser pour moi. Je l'appelais chaque fois, mais elle ne savait pas que j'étais en Europe pendant un moment. Et quand j'ai fini de signer les contrats, quand tout est rentré dans l'ordre et tout, je l'ai appelé et puis je lui ai dit « Ah, je ne t'avais pas dit, mais je suis en Suisse ». Donc elle était vraiment choquée parce que je lui avais dit que je voyageais, donc elle s'était dit forcément que j'étais juste à côté, dans un pays à côté. Et à la fin, je lui ai dit que j'étais en Suisse et malheureusement, elle a commencé à s'inquiéter, à me demander chaque fois si tu manges bien, qui te fait à manger. C'était spécial et puis voilà, en ce moment-là, c'est là que tu vois l'importance de la famille. Et à la fin, j'ai essayé de faire tout ce qu'elle me demandait de faire et puis je n'ai pas tout respecté à la lettre. Mais je me suis bien en sorti avec ses conseils. Sada kada te gleda, kada ostvaruješ zaista sjajne rezultate, koliko su tvoji roditelji eto ponosni i koliko se na kraju sve to isplatilo za tebe? Ils sont très très fiers de moi, mes parents, parce que c'est la première fois que ma maman a regardé un match de football que je jouais, c'était contre Milan. Zvezda contre Milan, pour vous dire que ça fait très longtemps que je suis professionnel, mais elle ne regarde jamais le foot parce qu'elle s'inquiète. Chaque fois, elle se dit qu'ils vont casser mon pied. Quand je tombe, elle se dit que c'est fini, mon fils, il a un gros problème. Donc, elle ne regardait jamais. Et la dernière fois, quand je suis rentré en vacances, elle m'a dit « Ah, j'ai regardé le match quand vous avez joué contre Milan et tout. Ah, c'était bien !» Et 5 minutes plus tard, mon petit frère m'a dit « Elle a regardé que 5 minutes. » Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Et puis, mes parents sont très fiers de moi. Et ça, ça me fait plaisir. Šta je ono što ti najviše nedostaje od kuće? Le repas en famille et puis manger à la main. Quand on est en famille, chez nous à la maison, quand on prépare la nourriture, on s'assoit tous autour de la nourriture et on se lave les mains et on mange avec les mains. Et avec voilà, la spécialité de la mère, chaque fête chez nous, c'est festif, c'est vraiment intéressant. Šta je specijalitet iz tvoje zemlje koji naši gledalci moraju da probaju, ukoliko naravno nekad imaju priliku i ukoliko uspeju sami da ga naprave? La spécialité ivoirienne que les Serbes doivent goûter, il y a la tchéké avec la loco, qui est vraiment, vraiment délicieux. La loco, c'est un truc qu'on fait avec la banane. C'est de la banane frite, mais frite à l'ivoirienne. Ça donne de la saveur, ça donne un goût assez spécial et c'est très, très bon.
Nadam se da ćemo imati prilike da probamo tako nešto. I evo sada, možda pred sam kraj emisije, kada se osvrneš na sve što je ostalo iza tebe, koliko si ponosan sam na ono što si uradio i koliko je zaista sve to bilo naporno? Je suis quelqu'un de... Je suis quelqu'un d'assez spécial, je suis presque jamais satisfait. Quand je fais quelque chose, je veux que ça soit vraiment parfait. Je suis fier de moi. Mais j'ai d'autres choses encore accomplies. Et je continue à travailler pour pouvoir réaliser tous mes rêves parce que je n'ai pas encore fini. Et voilà. Quels sont tes objectifs devant toi et qu'est-ce que tu aurais voulu que tu te passes dans ta vie? Le défi que je me suis donné, c'est de vivre comme un Serbe. Profiter au maximum de la vie et puis profiter tous les jours tant que je suis en bonne santé, parce que c'est une grande chance d'être en bonne santé et c'est une grande chance de pouvoir faire le métier que j'ai fait, jouer au football. Et je donne tout pour ce métier-là et puis prendre du plaisir au quotidien avec la famille. Voilà. A da li znaš u ovom trenutku kada si u životu bio najsrećniji i koji je to trenutak koji bi volio da možeš dva puta da proživiš? Le plus beau moment de ma vie, c'est mon premier contrat. C'était vraiment un très très bon moment dans le domaine du football. Mais en dehors du football, le plus beau moment de toute ma vie, c'est la naissance de mes enfants, mes deux petits jumeaux. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et puis ce jour-là, j'ai vraiment connu la joie. Et puis c'était le moment parfait de ma vie et puis inoubliable. Voilà. A kada je bilo najteže, to moramo da pitamo. Quand j'étais jeune et que mon formateur à l'époque il m'avait dit que je pouvais pas jouer au football parce que je suis pas assez bon. Pokazao si naravno da te reči nisu tačne, a takođe moramo da se osvrnemo na činjenicu da tvoji saigrači tebe opisuju kao uvek nasmejanog, srećnog i odlično raspoloženog. Možeš li da nam otkriješ ko je taj? Comme je vous ai dit au début, c'est une chance de se réveiller tous les matins. C'est une chance d'être en bonne santé. Donc du moment que tu as cette chance-là, il faut profiter au maximum de la vie. Parce qu'il y a les gens qui rêvent d'être en bonne santé. I rekao si da bi voleo da živiš kao što to rade Srbi, pa da li postoji nešto čemu mi možemo da te naučimo? Ouais, comme je dis, c'est il y a beaucoup de choses en Serbie que j'aime bien. Le mode de vie, c'est-à-dire la joie de vivre, c'est juste incroyable. Et juste la façon de danser aussi. J'aime bien comment ils dansent. C'est totalement différent de la façon qu'on danse en Côte d'Ivoire. Et c'est des choses qui sont plaisantes. Et puis, dans le futur très proche, je vais apprendre à faire les spécialités serbes. Parce que j'aime vraiment faire manger. Et puis, comme j'ai dit, depuis que je suis arrivé à Belgrade, j'ai arrêté de faire manger parce que je me régale tous les jours dans les restaurants. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et j'aimerais faire une spécialité serbe. Znači, imamo šta da te naučimo, pa evo za sam kraj otkrijem, da li nešto znaš da kažeš na srpskom, pa možda da počnemo od toga? Oui, bah, ça dépend, j'ai dit pas mal de choses. Par exemple, si je vais partir, je vais lui dire visez-moi ces sutra, parce que je sais qu'on va se voir demain. Et oui, ça dépend forcément des situations, il y a pas mal de choses que je comprends. C'est vrai que je pourrais pas dire certaines choses, mais je comprends pas mal de choses, et puis c'est une langue assez passionnante. Nadam se da će biti prilike da porazgovaramo i na srpskom, nadam se da će biti prilike da još bolje upoznamo tvoju kulturu i tebe, a ono što najviše želimo jeste da nastaviš baš ovako kao što si to do sada radio u Crvenoj zvezdi. Hvala ti najlepše na ovom prijatnom razgovoru, a nadamo se da već nakon sledeće utakmice imamo da pričamo o nekim novim lepim temama. Hvala puno, merci de m'avoir reçu sur le plateau aujourd'hui, merci à toute l'équipe, ils ont été vraiment adorables et puis à la prochaine. Hvala najljepše i vama, dragi gledalci, što ste proveli vreme sa nama. Kao što smo to rekli u najavi, mnogo toga interesantnog imali ste prilike da čujete, a to je sjajan poziv da ostanete u Zvezda TV.